Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Robert Rima Basenga. Je suis à la base journaliste présentateur. Et ce matin, c'est moi qui ai la lourde tâche d'assurer la maîtrise de cérémonie de cette grande journée de l'ICMC. Alors, je tiens à dire merci à tous les invités, aux invités d'honneur, à tous les membres de l'ICMC qui ont vraiment fait un grand effort pour être là ce matin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais qu'on rende hommage à notre pays, la Côte d'Ivoire, à notre terre d'accueil. Nous allons ce matin avoir un esprit patriotique à l'endroit de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je veux vous inviter, chers invités, s'il vous plaît, à vous tenir un instant debout. Alors, merci infiniment. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons chanter l'hymne national. Nous allons reconnaître à la Côte d'Ivoire tout ce qu'elle nous a donné jusque-là. Donc, je vais compter à trois et on va se mettre à chanter. Voilà, merci infiniment. On vous sera toi. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire va être très fière de chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Alors, une fois de plus, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci d'avoir effectué les déplacements pour venir assister à cette journée si mémorable pour l'ICMC, qui est l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire. Alors, sans trop bavarder, je vais vous dérouler le programme de cette journée. Alors, sachez qu'il y aura des rubriques assez intéressantes. On aura des projections vidéo, des panels justement sur les fake news, des prix également qui seront décernés aux membres très engagés de l'ICMC. Il y aura également la coupure de gâteau pour célébrer justement les 1 an de l'ICMC, l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une invitée très spéciale qui est là, qui a fait l'effort d'être là. Alors nous allons l'inviter à prendre place. Il va s'installer rapidement. Nous allons également inviter notre président, le chef de l'État de l'ICMC, qui va venir prendre place. Merci beaucoup, président. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous commençons par la première partie, le mot de bienvenue. Alors, le mot de bienvenue sera donné par Madame Myriam Koulibaly, PCO de l'activité de l'ICMC. Elle est la vice-présidente en charge des affaires sociales. Elle est également en fonction au service communication et relations publiques et presse au ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, accueillir Myriam Koulibaly? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, on vous rend grâce et qualité. L'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire, en abonné ICMC, par la voix de son comité d'organisation, vous souhaite la bienvenue à sa séance de formation initiée dans le cadre de sa campagne nationale contre les fake news et discours de haine en ligne. Placée sous le thème éducation aux médias et à l'information, la lutte formation a pour objectif de former l'ensemble des participants aux techniques et outils de vérification de l'information. Ce partage d'expérience sera suivi d'un panel intitulé Éducation aux médias et à l'information. Créé le 6 février 2021, l'ICMC a pour vocation de rendre le monde meilleur avec les médias sociaux et s'engage à être un ambassadeur pour la bonne utilisation des 10 médias. Déterminé à faire la promotion de la bonne utilisation des nouveaux médias, cette structure apolitique s'est donnée pour mission de former, éduquer et sensibiliser les populations à la bonne utilisation des médias. Au sorti donc de cette séance de formation enrichissante, l'ICMC espère que chacun de nous aura acquis les rudiments nécessaires pour détecter les fake news et éviter leur propagation. L'ICMC vous invite également à adhérer à son initiative afin qu'ensemble nous puissions rendre le monde meilleur. Par ailleurs, l'ICMC remercie le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, le réseau des professionnels de la presse, donc de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble des membres d'honneur pour leur appui au quotidien.
Sur ce, celle-ci soit une excellente formation à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors là, on va évoluer. Emma, on voit tout le pas. On va maintenant passer à une projection vidéo. Voilà, ça sera un panel qui sera donné justement par notre invité d'honneur. Il se nomme M. Donatien Kanda. Il est spécialiste de l'éducation aux médias. Il est également enseignant à l'ISTC Polytechnique. Aussi consultant en médias et communication. Il va nous donner un enseignement très très riche. Je crois que la technique est en train de se mettre en place. On va débuter dans un petit instant. Voilà, merci infiniment de votre patience. Campagne de formation et de sensibilisation nationale sur les fake news, une grande campagne initiée par l'ICMC qui est tout simplement l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias sociaux en Côte d'Ivoire. Sa lutte est de justement contrecarrer les intox, les fausses nouvelles qui terrorisent notre société. Voilà, nous vous disons encore, chers membres, bienvenue à cette grande journée mémorable pour l'ICMC. Nous allons, je crois, débuter dans un petit instant ce panel qui sera donné par M. Donatien Kanda, spécialiste de l'éducation aux médias, aussi enseignant à l'ISTC. Nous allons débuter dans un petit instant. Merci à vous. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Donatien Kanda, comme annoncé. Je vais montrer quelque chose sur les techniques outils de vérification. Moi, je suis enseignant journaliste, je suis au niveau de l'école journaliste de l'ISTC, je suis le responsable de la spécialité web journaliste au niveau média. Les techniques outils de vérification, effectivement, aujourd'hui, c'est plus une discipline d'enseignement dans notre spécialité. Je dois aborder cette thématique avec un grand public, un peu difficile parce que nous nous appuyons sur les fondamentaux du journalisme afin de pouvoir mieux maîtriser ces techniques dont nous allons parler. Donc, l'exercice a été pour moi de simplifier, de synthétiser pour que ce soit plus accessible à un grand public qui n'est pas forcément journaliste ou professionnel à communication. Quand on dit que nous évoluons dans une société dite de l'information désormais, et quelque part, à un certain niveau, chacun fonctionne un peu comme un média, puisque je pense que si on fait un petit sondage ici, on ne trouvera pas beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, de ce seul fait-là, il y a une activité endurée journalistique de fait. Donc, c'est une formation qui oblige à quand même intégrer ces techniques que nous allons aborder. Je voudrais, pour démarrer, comme on a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire ce premier jeu. Je pense que plus ou moins vous connaissez le jeu du téléphone, où on se passe des informations, je donne une information à madame, elle sera chargée de transmettre l'information à monsieur. Et jusqu'on arrive au fond de la salle, on constatera qu'il y a une déperdition dans la transmission de l'information. C'est un exercice expérimental qui nous permet de comprendre un peu l'évolution d'un contenu informationnel et qui justifie pourquoi, avant de relayer un contenu, il faut prendre la peine de s'assurer que ça respecte les faits. Parce que, en plusieurs intermédiaires, on a des faits qui sont liés à différents contextes. La personne peut être malentendante, vous avez pu transmettre l'information dans du bruit. La personne reçoit l'information avec ce qu'on appelle en psychologie des biais cognitifs, c'est-à-dire des distorsions liées à ses croyances. Par exemple, si je prends, moi je suis chrétien, pour les chrétiens, on attend la fin du monde. Qui est décrit avec force et détail dans l'Apocalypse. Et cette période-là est un peu quelque peu catastrophique. Donc pour nous, quand
des informations, comme par exemple la situation de Covid, où des gens meurent, une grande partie, ces informations ont tendance à les interpréter selon le prisme de l'apocalypse et très vite, on glisse de l'info à l'opinion. Et souvent, on va transmettre une opinion comme si elle était une information, alors que ce sont des faits simplement qui, souvent, n'ont aucun lien avec cette prédiction biblique. Donc, c'est un peu le sens de ce jeu, mais on va passer rapidement là-dessus. On va pas... Par contre, je voudrais jouer toujours avec vous sur un petit exercice pour qu'ensemble on puisse apprécier. Donc, c'est simple. Hein. Je vais vous présenter des images et vous allez me dire, bon, puisqu'on aura le temps ensemble, donc on va. Ceux qui estiment que cette image est réelle vont lever la main d'un côté. Puis les autres, il y a tout de cette fausse image, à l'œil nu, diront, et puis on verra qui a raison. Je crois qu'on a une dizaine d'images comme ça, c'est que je vous présente. Bon, je lance. À votre avis, cette image, peut-être on a beaucoup de lumière. Mais vous voyez l'image, non? Oui. Non, vous ne voyez pas? Normalement, je vais peut-être un rigolo là. Mais on va se défendre avec les possibilités de nous. Mais déjà, quels sont ceux qui pensent que c'est une vraie image? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification, l'image a été prise telle que la personne avait le doigt et puis je crois que c'est un caméléon, moi je ne sais plus trop. Mais que cette image n'est pas une modification, elle est authentique, réelle. Quels sont ceux qui pensent que c'est une vraie image? Vous levez la main, et puis les autres, on suppose que c'est vous. Allons-y un peu vite, on a déjà coupé 5 minutes. Oui, quels sont ceux qui pensent que c'est vrai? Allons-y, au pif, hein, il n'y a pas. On va juste. C'est juste un petit. Mais pour vous, c'est faux. Tout le monde pense que c'est faux. Ok, d'accord. On va vérifier. Donc, je mets faux. En me basant sur vous, on s'est trompé, l'image elle est vraie. Okay. On poursuit. Non, il peut être en face de vous. On poursuit. Attends, est-ce que. Oui, on poursuit cette image, est-ce qu'elle est vraie? On est tous. Si on était sur les réseaux sociaux, on aurait tous partagé deux fausses images parce qu'on aurait été convaincu que les images sont vraies. Cette image, c'est ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Vrai? Vrai, fort? Donc, finalement, je choisis quoi? Oui, je vois le même. Vrai? Bon. Je ne peux pas appuyer les deux boutons. Je voulais appuyer vrai ou faux. D'accord, donc, je fais vrai. On va voir ce que ça donne. Ok, on a eu une bonne réponse. Voici l'image d'un relief. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai ou c'est faux? Faux, décor. C'est vrai. Voici, je crois, c'est un ours qui a du poisson en main. Est-ce que c'est vrai? Vrai. Vrai? Bon, je fais vrai. On avait tort, le poisson a été ajouté. Voici un avion qui passe sous un pont. C'est faux? Sous un pont? Vrai? Faux. Le pont a été, l'avion a été placé. Voici un portrait très rapproché de. Je ne sais plus trop quel oiseau, mais c'est un oiseau. Un hibou. Bon, bref, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai? Ok, super. On commence à monter. Un autre portrait rapproché, non, je pense que c'est un pont, non? Oui. C'est vrai? Vrai, super. On a, je crois que ça doit être une baleine, et puis juste un oiseau qui est belle. C'est tellement vrai. Vrai.
C'est pour en fait, c'est concernant l'angle de tourelle, mais il y avait des bonhommes qu'on a ajouté pour passager. On a un pont ici. Vrai. Vrai. Ok, super. Voilà une route. Vrai. C'est vrai. Faux. Vrai ou faux? Faux. Faux. Je t'ai dit faux. C'est faux. C'est faux. Ça c'est quoi? Montgolfier, faux? D'accord. C'est ça, c'est faux. En fait, le nuage a été arrangé. Je ne sais plus trop. C'est quoi? Ça représente, mais un animal qui est caché quelque part là. Vrai? Ok, super. Voilà, donc on est quand même bien. On a eu 60%. Voilà. Mais je dis, à l'œil nu, on est tous. Voilà. Moi, cet exercice, je le fais plusieurs fois, mais bon, je n'arrive pas à faire 100%. Voilà. Simplement, à l'œil nu, c'est difficile. En fait, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes envahis de contenu qui, naturellement, intuitivement, ne sont pas, bref, ne nous garantissent pas l'authenticité. Voilà. On est sujet. Et la situation est en train d'aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, les technologies de manipulation de l'audio sont en train de se développer. Donc, l'image, c'est fini. Bon, voilà, c'est arrivé à un certain niveau. Donc, aujourd'hui, c'est l'audio, la voix. On est arrivé, en tout cas, on a des cas. C'est vrai que c'est pas encore répandu comme pour l'image, mais on a des cas où on avait dit des choses à des gens alors que ces personnes n'ont jamais dit ça. Ça, c'est inquiétant. Et ça interprète le contexte. Un autre petit jeu, je vais vous présenter des images. Et le même exercice, vous allez me dire si ces personnes existent à votre avis ou pas, à l'œil nu. Donc, on a la première qui est là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que cette personne existe vraiment? Non. Non. Est-ce que vous pensez à l'œil nu là? Est-ce que cette personne existe? Bien sûr. Ok. Non, laissez parler votre intuition. Et cette personne? Elle existe. Cette personne? Elle existe. Elle existe pas. Pourquoi? Ceux qui disent qu'elle existe pas, vous pouvez nous dire pourquoi? Oui. Sur cette image, moi j'ai l'impression de voir un homme qu'on a un peu modifié en femme. Mais bon, on a les transgenres, hein, donc voilà, aujourd'hui les transgenres font partie de notre quotidien, donc je dis, c'est pas le fait qu'ils soient transgenres, je ne veux pas dire qu'ils n'existent pas, mais on existe, voilà. Ah, c'est pas réel, c'est une fois, d'accord, ok, avançons, je vous donne une dernière image, qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Ok, donc je clarifie l'exercice. Toutes les photos que je vous ai présentées, les personnes n'existent pas. En fait, ce sont des visages qui ont été fabriqués par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En fait, c'est une intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est un peu plus basse. C'est une intelligence artificielle qui a conçu ces images. Donc, le principe, c'est qu'on entraîne l'algorithme à créer des images. Donc, on lui donne, par exemple, une centaine, des milliers de photos, et puis à un moment, il commence, c'est que l'homme, c'est une tête, c'est des yeux, c'est tout, donc il prend une image. Et je cite où je suis, ça s'appelle Visitation d'Arnold Kitty. Donc, cette personne, elle dit, bon, je vais laisser la présentation, donc vous pourrez vous-même éventuellement aller tester. Donc, sur ce site, vous avez des images de synthèse fabriquées par une intelligence artificielle. Bon. Allons-y plus loin. Imaginons que j'ai déjà cette photo et je me fabrique une carte d'identité. Voilà. Je dis aucun policier, à l'œil nu, là, ne pourra dire que bon, voilà. Donc, ça, c'est aussi une raison. Bonjour. Vous verrez donc dans nos, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez rencontrer des visages comme ça, des profils comme ça,
et vous allez simplement, sur la base de ces images, apporter votre conscience, alors que derrière, c'est une provocation. Un dernier exemple de manipulation de l'image, et puis on va essayer d'avancer un peu. Ça, c'est un projet photo qui a été réalisé en 2020 par des Danois dans le contexte du confinement. Le projet, c'était de montrer comment, à travers l'image, on pouvait manipuler l'information et faire croire des choses qui n'étaient pas vraiment. Donc, ils ont pris des photos de personnes, surtout ici, le thème sur lequel a travaillé, c'était la distanciation sociale. Donc, il a pris des photos sous plusieurs angles de personnes qui étaient en rang. Et selon les angles, on va avoir l'impression que les personnes respectent la distance sociale ou pas. Donc, première image, c'est vrai que vous ne voyez pas vraiment de ceux qui n'ont pas de congé, ça sera difficile, mais je vais essayer de décrire. Donc, la première image, je vais peut-être me lever. Donc, la première image ici, on a une file d'attente où les gens sont. Donc, vous avez l'impression que les gens sont assez, qu'ils ne respectent pas les 15 mètres. Mais quand il va s'éloigner un peu, donc quand il va changer d'angle de vue, on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, il y a le respect de la distance sociale. Donc, selon que je vais utiliser cette image, l'information va changer. C'est la même chose, c'est vrai que la lumière nous fatigue, mais je vois si on a une autre image. Voilà, donc là par exemple, vous avez deux personnes qui sont en train d'échanger. En les regardant ici, on a l'impression qu'elles sont très proches. Or là, elles respectent effectivement la distance. Donc, le lien du projet aussi, je veux le partager pour y regarder tout cela. Donc, si juste pour introduire mon sujet, pour dire que, effectivement, c'est. Vous êtes. Comment on va dire ça? Vous faites bien, voilà, de vous soucier des techniques aussi de vérification, même si, comme je le disais en introduction, à première vue, ça peut relever d'une spécificité du journaliste de procéder à la formation. Parce qu'aujourd'hui, notre monde, notre société dit de l'information, nous oblige à cela. On ne peut plus se fier à notre intuition seule. Je me dis de fier à même ce que les médias traditionnellement nous donnent, parce que la manipulation, elle est accessible et elle est de plus en plus disponible et facile. Donc, première chose sur laquelle je voulais quand même insister par rapport à ce sujet, sont les fondamentaux. Premier fondamental, si vous voulez, c'est qu'on s'accorde tous sur ce qu'on appelle l'information. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tout est considéré comme information et finalement, on ne se retrouve plus. Quand on parle de vérification de l'information, c'est quoi l'information? Au sens journalistique du terme, l'information, c'est trois choses. Premier élément, c'est l'intérêt du public. Donc, je vais dire, par exemple, le fait que, par exemple, imaginons que quelqu'un m'ait vu entrer dans un couloir de prostituée, par exemple, hier nuit, ça, ce n'est pas vraiment de l'information. Mais aujourd'hui, vous verrez que quelqu'un, sur les réseaux sociaux, parce qu'il a vu pendant une photo, hier on a vu tel monsieur, en quoi est-ce que c'est un intérêt pour lui? Ça, ce n'est pas de l'information. Deuxième chose, en termes de. Pour comprendre ce que c'est que l'information, il y a la notion de fait. Notion de fait. On va revenir sur ça, ou bien même je l'apporte. Le fait, pour mieux le comprendre, il faut le distinguer de l'opinion. Je vous donne deux phrases. Et vous allez me dire quel est le fait et quelle est l'opinion. Première phrase, je vous dis que mon épouse est la plus belle de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première. Deuxième phrase, je vous dis, mon épouse a été Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est la deuxième phrase. Quel est le fait? Quelle est l'opinion parmi ces deux phrases?
au fond, rien qui a été prompt à aller là-bas. Pour l'opinion, d'abord, c'est la première phrase. Et la première phrase dit quoi? La première phrase dit votre épouse est belle, vous avez dit votre épouse est belle, c'est votre opinion. Et la deuxième phrase dit que votre femme a été l'unique sentiment. D'accord. Pourquoi est-ce que vous dites que l'autre c'est l'opinion et l'autre est le fait? D'abord, pourquoi la première phrase c'est l'opinion? Parce que vous êtes en train de qualifier votre femme. De votre opinion. Vous pensez que votre femme elle est belle. D'accord. Et pour le fait? Pour le fait, vous êtes en train de dire que votre femme a été élue. Donc certainement des personnes qui savent déjà où vous êtes, mais donc vous êtes informé ces personnes-là que votre femme a été élue, une fois vivant. D'accord. Quelqu'un veut compléter nouvelle main derrière. Oui. Bon, moi je te dis que un fait, c'est une affirmation. Une affirmation, ça dit qu'elle a été. Jésus est Dieu. C'est une affirmation, c'est pas une affirmation. Bon, c'est une opinion, hein. Moi, non, je demande, c'est une affirmation, c'est pas une affirmation. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, point. C'est une affirmation, c'est pas une affirmation. Donc, en fait, je veux juste dire que le fait que ce soit une affirmation ne permet pas de distinguer l'opinion du fait. C'est juste ce que je voulais montrer. Il dit l'affirmation peut être une opinion comme un fait. Voilà. Donc, moi, ce que je veux savoir, pourquoi vous dites que le fait que je dis ma femme a été ministre, pourquoi vous dites que cette phrase-là est un fait? Notre ami en lunettes. On va aller un petit peu vite, juste. Bonjour à tous. Ouais. Moi je pense déjà que lorsque vous dites que votre femme est la plus belle, c'est subjectif en fait. D'accord. Si on demande au voisin, il dira que non, c'est juste sa femme qui est la plus belle. Ok. Alors quand on dit ma femme est la miss, qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, je reconnais que cette femme-là c'est la miss de votre femme. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'aux yeux de tous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Bon, on va aller sur le ce que je veux vous faire relever, ça est déjà à l'écran, c'est que en fait, dans le fait, on peut vérifier. Voilà, dans le fait, on peut vérifier. Soit c'est vérifié ou soit c'est vérifiable. Ma femme a été mise fois de moi, c'est simple. Vous n'avez qu'à me demander en quelle année, ou bien vous me demandez son nom. Une fois que vous avez ces deux éléments, l'un des éléments, vous partez derrière le palmarès, vous confirmez ou non qu'elle a été. Mais par contre, ma femme est belle, effectivement. Je dis, c'est à moins que vous vouliez vous fatiguer, quoi. Voilà. Vraiment, ça là, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On ne va pas s'entendre sur ça. Donc, c'est important. Donc, quand on est face à un contenu, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est un peu le cas, mais de façon générale, de pouvoir être attentif à ça. Est-ce que je suis en face d'une information ou je suis en face de l'opinion de quelqu'un qui veut me faire passer cela comme une information? Parce que c'est ça le. Si c'est une opinion, le rapport qu'on a avec ce contenu, il est différent. Soit je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord. Par contre, un fait, il s'impose, c'est une réalité, comme vous l'avez dit. Voilà, ça a eu lieu. On peut le vérifier ou c'est vérifié. En même temps, une opinion aussi, on ne la vérifie pas. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis chrétien, vous n'allez pas vraiment réussir à me dire que Jésus n'est pas Dieu. Bah, franchement, à moins que peut-être vous voulez vous convertir à une autre religion, quoi. Sinon, si c'est. Vous prouvez franchement ça, là. C'est de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la foi. Et là, on est dans l'opinion. On est dans le champ de l'opinion et même plus loin, si je prends. La raison d'Adam est dans l'autre du dogme. C'est pas discutable. On y croit ou on y croit. Par contre, le fait, on peut le discuter, on peut le mettre en cause sur la base d'éléments d'Adam. Donc, première chose, l'information, il faut savoir ce qu'on. Deuxième chose, donc ça on a déjà abordé, différence entre opinion et fait. Deuxième chose, en termes de technique et d'outils de vérification, c'est que ça se passe à une information. Il faut vous demander la source. La source, c'est l'origine de l'information. D'où vient cette information? Qui me dit ça? Souvent, on reçoit des messages, on ne sait pas d'où ça vient.
Sinon, ne sortez pas cette nuit, parce que tu auras des rats, et tu le suis, c'est que c'est un colonel qui arrive. Lui-même qui partage là, bon, il est douteux. On fouille et on se rend compte. Je me souviens une fois, c'était un ordre de service, quoi, que ça avait été publié au Bénin. Ça circulait juste là, c'est arrivé dans un de nos groupes. En fait, tu vois ici, les gens commencent à parler tout. Justement, parce que la source va donner un caractère de créativité. Par exemple, quelqu'un qui. Un boxeur qui va vous donner des conseils sur des questions de santé. Bon, c'est un avis qui doit être confirmé. Voilà. S'il me donne des conseils sur comment se battre, il est expert sur la thématique. Sur la santé, franchement, il accepte que je doute, je vérifie. Et autant. C'est important de connaître la source. Donc, en termes de source, en journalisme, on parle de vérification. On a la source primaire et la source secondaire. Donc, la source primaire, c'est la personne qui rapporte, en général, c'est la personne qui rapporte la personne témoin des faits. Donc, quand je venais là, je suis tombé dans un embouteillage. Donc, je vous raconte ça. J'ai dû traverser un embouteillage vers des trucs. OK? On finit cette séance et vous partez, vous croisez un ami. Ah, le formateur a dit qu'il y a eu un embouteillage et tout, il va actuellement là, mais on ne va pas passer vers là. Celui qui est en train de parler, il est une source secondaire. Il est en train de rapporter quelque chose. Donc, ce gars-là, il faut prendre ce qu'il dit avec les pincettes. Parce qu'il n'est pas la source primaire. Quand vous allez l'interroger, c'est le formateur qui a dit. Bon. Le formateur seulement a dit qu'il y avait un embouteillage vers 8 heures. On est à 13 heures, il dit qu'il ne faut même plus passer là-bas. Donc, face à des contenus, auquel on a accès et quand on est contenu de à l'information, il faut bien distinguer pour y croire parce que c'est ce qu'on m'avait demandé de traiter, technique et outils de vérification. Pour vérifier, pour vous assurer quelle est la nature de la source qui est. Si la source elle est primaire, il y a plus, en termes de valeur de crédit, elle est plus forte. Si la source est secondaire, attention, il faut qu'on ait d'autres sources qui viennent confirmer et dans notre formation dans les journalistes, on va nous dire de recouper. Et ça va aller jusqu'à chercher deux autres sources, qu'on arrive au moins à trois sources, avant de s'assurer que ce qu'on a est vérifié. Donc, ça c'est les fondamentaux, vraiment, pour passer rapidement, tout n'est pas information. Voilà. Tout n'est pas information sur dans les médias même. Dans les réseaux sociaux, mais en général, les réseaux sociaux posent problème. Tout n'est qu'information. Deuxième chose, il faut distinguer le fait de l'opinion. Et puis, troisième chose, il faut pouvoir identifier la source pour mieux y avoir quelques outils. Ensuite, on a des outils. J'ai retenu trois que je trouve assez simples, faciles à prendre en main. Pour les autres, comme j'ai donné des ressources pour répéter de ceux qui veulent aller plus loin, j'ai parlé de Fact Check Explorer, l'incertification des réseaux sociaux, et puis ce que nous appelons les ORI, c'est-à-dire des outils de recherche d'images. Donc, Fact Check Explorer, c'est simple, on va aller, si vous avez Internet, on va aller sur Google directement. Je vais essayer de retrouver ça, Fact Check Explorer. Fact Check Explorer, c'est un peu comme un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche, puisque c'est Google qui a développé. C'est un moteur de recherche qui vous présente ce qu'on appelle le fact-checking. En fait, le fact-checking, c'est des articles qui vérifient des contenus qui ont circulé. Il y a des médias ou des journalistes qui spécialisent. Moi, je suis formateur sur cette thématique. Et on choisit en général, on va trouver un contenu et on va le vérifier, démontrer que c'est faux. Souvent, ça va utiliser des techniques un peu plus avancées de géolocalisation, d'exploitation des métadonnées, d'utilisation de ce qu'on appelle aussi. Donc, c'est un peu plus poussé. Mais ça a l'avantage de nous donner des contenus qui sont recherchés et qui peuvent confirmer que ça, c'est vérifié ou bien à quel niveau de. Et Fact Check Explorer, et c'est de, comme Google, de rassembler tous les fact-checks
qui ont été réalisées sur un sujet en maths. Par exemple, si vous cherchez, vous apprenez quelque chose sur la phobie, et que vous doutez, vous pouvez aller sur ce moteur de recherche et vérifier est-ce qu'il n'y a pas déjà d'articles sur le sujet qui vérifie ça. Donc, hier, quand je préparais la présentation, j'ai par exemple tapé, je crois, à la salle de Ouattara, pour voir est-ce qu'il y a des fact-checks sur d'autres présidents. Donc, je vois une liste, par exemple, après, il y a un article de AIP Factuel qui disait ces photos montrent une manifestation de Ouattara. Donc, quand on clique sur cet article, je crois que c'est un article de 2020, ouais, le 24 novembre 2020. Apparemment, il y a des photos qui ont circulé disant qu'il y avait des manifestations en Ouattara aux États-Unis, mais à la vérité, c'est des photos qui ont été retouchées, qui ont été manipulées. Il semble que les photos originales, c'est des manifestations anti-Trump. Et ceux qui ont voulu faire croire qu'il y avait des manifestations en Ouattara ont utilisé plutôt, voilà. Donc, certaines de ces photos ont été retouchées, mais ne montrent pas des manifestations en Ouattara aux États-Unis. Donc, en lisant l'article, voilà, vous avez voici les photos. Apparemment, ces photos ont été utilisées pour faire croire à droite à gauche. Donc, si vous allez sur ce site, vous allez voir que la deuxième image, il y a des photos du président qu'on a mis dans les mains des manifestants. Donc, voilà. Et ce site, Fact Explorer, vous permet tous rapidement de voir est-ce que sur le sujet ou par rapport au contenu, donc en exploitant les mots-clés du contenu, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu la vérification dessus pour m'assurer. Ça, c'est rapide. C'est clair que ce n'est pas forcément systématique parce qu'il faut qu'il y ait eu des articles de vérification sur votre sujet pour qu'il se trouve. Mais déjà, ça peut vous aider à vous assurer que vous l'information que vous avez sous les yeux, sous la main, elle est digne d'intérêt ou pas. Un deuxième outil, c'est quelque chose auquel je pense que vous avez déjà fait attention. Souvent, sur les réseaux sociaux, vous avez souvent des profils où il y a ce qu'on appelle des pastilles bleues. On a des. Je pense que c'est plus simple de montrer. Je vais aller sur Facebook. Donnez-moi le nom d'une personnalité, je le mets en bas. Donc là, on a plein de comptes en bas. Et comment je fais pour m'assurer que c'est le bon compte de Didier Doba. D'après vous, comment je fais pour savoir le compte de Doba, le nom de Doba est trop complet. Voilà. Donc, vous voyez que ici, vous voyez qu'à côté du nom de droit, il y a ce qu'on appelle la pastille bleue, il y a ce symbole-là. En fait, il dit que Facebook a confirmé qu'il s'agit du profil de Didier Doba. Ça veut dire que ça n'est pas qu'il a besoin d'être le plus intelligent, il est le plus populaire, il est le plus de ça. Ça veut dire simplement que Facebook vous dit qu'il a vérifié que derrière ce compte-là, c'est vraiment Didier Doba et son équipe. De sorte que si vous avez d'autres comptes, Didier Doba, Doba officiel, Doba original et autres, tous ces comptes-là, parce qu'ils n'ont pas la partie bleue, ce n'est pas Didier Doba. Et cette partie bleue, on le donne à un seul compte. Donc, toute information ou tout contenu que vous aurez sur les autres comptes, vous pouvez être sûr que ce n'est pas Doba qui est fait. Tant que ça ne vient pas de ce compte. Donc, sur les réseaux sociaux, donc aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, ils publient ça. Vous avez vérifié sur Twitter, vous allez avoir ça Instagram, même, je crois, TikTok aussi. Donc, tous les réseaux sociaux ont développé ça. Et en fait, effectivement, ils vérifient, puisqu'il y a une démarche, on ne peut pas de certification. Une démarche de certification, on va entrer en contact avec la personne qui est derrière le compte et demander des preuves que c'est vraiment la personne. Quand c'est une entreprise, même, vous allez devoir envoyer des documents lié à votre enregistrement, même pour des individus, souvent ça va jusqu'à envoyer des pièces d'identité pour que vous puissiez obtenir cette partie bleue. Donc, si vous avez un message qui vient d'une personnalité,
et que vous, le message vous paraît fort, avant de prendre, d'accorder du crédit à ce contenu-là, il faut vérifier est-ce que c'est vraiment le profil de la personne. Et l'indice que les réseaux sociaux vous donnent, c'est la partie bleue. S'il n'y a pas les parties bleues, il faut vérifier, pour peut-être attendre avant de partager, avant de relayer. Ou bien même, ce n'est pas la peine d'accorder du crédit parce que c'est sûrement peut-être un page, un partisan ou quelqu'un qui veut nuire à la personne qui essaie d'usurper l'identité pour pouvoir dire, puisque ça, c'est la désinformation à travers l'usurpation d'identité. Et puis, le dernier outil, sinon les derniers outils que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les outils de recherche d'image inversée. Parce que souvent, dans les articles de vérification, on entendait ça, recherche d'image inversée. Les outils de recherche d'image inversée, ils sont proposés par tous les réseaux sociaux, par tous les moteurs de recherche. Google, Bing, Yandex, le moteur de recherche russe, Baidu, le moteur de recherche chinois. On a TeamAI, qui est aussi un projet spécifique, tout ça. Donc, c'est ça. C'est que ces moteurs de recherche disent, si vous avez une image, vous pouvez me l'envoyer pour que je vous dise est-ce que l'image n'a pas déjà été utilisée sur Internet. C'est un peu le principe. C'est pour ça qu'on parle de recherche inversée. Parce que la recherche sur moteur de recherche, c'est quoi? Je tape un mot-clé et puis j'ai ce que je veux. Cette fois-ci, il dit, envoie-moi une image et moi je regarde ma base de données. Voici ton image, elle ne correspond pas à une image qui existe. C'est ça. Donc, vous pouvez facilement vous dire, ah, ça c'est un sujet sur lequel on avait travaillé, c'était pendant après les présentations de 2020, quelques semaines, on a vu une photo, on dit non, il y a des manifestations à faire, qu'est-ce que c'est tout, voici. Voici l'image, on a vu Ruth Barry. Donc, recherche d'image inversée, nous avons proposé cette image au moteur de recherche pour voir est-ce que cette image n'existe pas déjà dans la base de données. Et effectivement, les moteurs de recherche vont nous dire que cette image, en fait, elle avait été utilisée à l'époque lors des élections contestées au Gabon. Et c'est une image de Libreville. Donc l'image qu'on nous montrait, disons que c'est fake, en fait, ce n'est pas l'image fake, c'est une image de Libreville, c'est une vieille image. Et bon, on a continué le travail parce que après, ça peut être une photo d'illustration. Voilà. Ça ne veut pas parce que c'est une image de Libreville qu'il n'y a pas forcément une manifestation affectée. Donc, pour vérifier, pour confirmer ça, il fallait maintenant se renseigner si affecté, il y avait des manifestations. On a pu contacter des personnes sur place. Donc, plus qu'ils sont allés sur la place, et en tout cas, il n'y a pas eu de manière. Donc, avec ces deux éléments, donc, avec la recherche d'image inversée et la vérification sur le terrain, on a pu dire que non, il n'y a pas eu de manifestation ce jour, parce que d'abord, l'image, elle vient. C'est une vieille image qui est revenue au bout du jour. Et ensuite, donc, comment ça fonctionne? Rapidement, un exemple, puis je vais essayer de conclure. Donc, les outils de recherche d'image inversée en utilisant Google. Sur Google, vous. Donc, vous allez sur Google. En haut à droite, vous avez image. Vous cliquez sur image. D'abord, il faut que je retrouve une photo. Je vais prendre une photo en exemple. J'ai cette image, je ne sais même plus comment on me parlait d'un stade, j'ai oublié cette image. C'est une image d'un stade, je ne sais plus trop à quelle occasion on m'avait donné cette image. Mais voilà, imaginons qu'on me présente cette image et on me dit que c'est le stade, je ne sais pas, on va dire le stade et ensuite, puisque c'est notre dernier, c'est là où on a gagné hier. Donc, on me dit ça, c'est voici le stade et ensuite. Ok.
Je veux vérifier, est-ce que vraiment l'image est authentique, est-ce que c'est pas une vieille image que la personne utilise pour me... Donc je vais sur Google Images, et vous voyez là, il y a le symbole de l'appareil photo. Je clique sur le symbole de l'appareil photo, et il y a un champ qui s'ouvre. On va dire qu'il soit de coller l'URL de l'image ou d'importer une image. Je vais utiliser plutôt importer une image, puisque j'ai l'image déjà sur mon disque. Donc je clique importer une image. Je fais parcourir, ça m'amène dans ma machine. Je recherche la place, l'endroit où l'image est. Voilà. Je retrouve l'image, je sélectionne et je l'importe. Donc, en fait, je suis en train de donner l'image à Google en lui demandant de vérifier dans sa base de données est-ce qu'il y a des images semblables, est-ce que l'image là ne l'a pas déjà été utilisée, puisqu'on est en train de faire croire que c'est l'image qui n'est pas. Donc, Google l'a déjà trouvé et il me dit de regarder les résultats. Donc, dans les résultats, il y a deux types de résultats. Il y a ce qu'il appelle les images similaires, donc qui sont dans sa base de données des images qui ressemblent à mon image. Ce n'est pas vraiment ce que moi je veux. Moi, je veux chercher plutôt les images identiques. Je veux plutôt les images identiques. Donc, il va me donner les pages contenant des images identiques. Donc c'est dans cette partie-là que je vais regarder est-ce que mon image en fait a été utilisée. Donc je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup de pages en général sur Facebook où l'image a déjà été utilisée. Et peut-être pour aller plus loin, je vais cliquer sur un des éléments pour voir vraiment ce qu'on dit sur mon image. Donc je me rends compte qu'en fait c'est un chantier de la CAC. Voilà, chantier de la CAC et que l'image a été. Donc ça c'est l'image récente. Et apparemment, c'est sur cette page que l'image était. Bon, je vais faire ma petite recherche et voir dans les images qui ont été utilisées ici. Donc, je vois, on peut mieux le plier. Et je me rends compte, voilà, est-ce que c'est pas. Je vais voir mon image à moi. Ok. Donc, on va retrouver. Je pense que ça ressemble un peu à celui-là. Bon, je vais peut-être revenir en arrière. Parce que, et je vais voir le deuxième lien. Je vais sur le chantier. C'est toujours la même page. C'est elle qui a beaucoup lié. Cette page-là attend les images du chantier. Donc là, vous voyez qu'on est dans une témoin, on rentre dans une témoin d'investigation. Ça peut vous prendre du temps, ça peut vous amener vers d'autres sujets même. Mais c'est la démarche de vérification de tout. Et c'est pour cela que je dis en introduction que ça va être surtout une tâche pour vous aller, parce que ça exige de prendre du temps de vérifier tout ça. Mais en continuant, vous allez forcément tomber, puisque cette page a beaucoup d'images aussi, vous allez tomber sur des contenus. Sinon, là on a fait avec Google, je vais essayer peut-être avec Yandex, qui est un autre recherche moteur. Peut-être que là-bas ça va aller très vite. Je vais essayer avec Yandex, c'est la même chose. Je vais sur Yandex Image. Je cherche l'image, je vais sélectionner. Yandex, donc lui me dit si il contient des informations. Apparemment, c'est le pack de boîtier. Ça presse toujours. Donc,
passant, voiture. Donc, apparemment, si on fait des recherches plus poussées, c'est plutôt l'histoire de Boîté et non celui de Yamsoukro. Mais il faudra qu'on pousse un peu. Bon, là, on est à 45. Ça va nous prendre du temps, mais je voulais juste vous montrer le process qui termine. Donc, rapidement, pour terminer, quelques conseils et puis on va laisser les questions. Une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, mon conseil en termes de démarche, c'est d'identifier l'auteur du message, d'essayer de remonter à la source le plus précis, comme je vous l'ai démontré. Vérifier la date de l'information, ça c'est important souvent. Les informations sont vraies, mais ce n'est pas actualisé, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a eu lieu peut-être il y a 2 ou 3 ans et on veut faire 3 choses. Souvent, il faut se méfier des messages chauds. En général, donc, quand un message touche à votre émotion, la colère, la haine, la joie, trop beau, il faut se méfier. Parce que très souvent, il y a de l'embellissement. Pour une image, pour une vidéo, ça c'est un peu trop technique, donc je vais passer là-dessus. Les sondages aussi un peu techniques. On va rapidement terminer par ça. Donc, si dans un contenu, on vous donne des éléments liés aux âges, calculez. Voilà. Calculez. Parce que très souvent, les erreurs sur les chiffres, ça va avec les jours, les dates. La grammaire, l'orthographe, faut faire attention. En général, c'est signe que le contenu n'est pas très sérieux. Les faits historiques, il faut vérifier. Voilà. Ce n'est pas la peine de s'obtenir à sa mémoire simplement. Les lieux, il faut s'assurer que c'est effectivement les lieux, les noms des sociétés, des organisations, des écoles, les noms, le pourcentage, par exemple, il y a des confusions qu'on fait très souvent, les pourcentages sont différents des points de pourcentage. Quand on dit, imaginons, on dit qu'on a fait, je ne sais pas, un peu comme ça, l'année dernière, imaginons qu'on en a fait 42% au bas. Cette année, on fait 43%. Très souvent, on va dire qu'on a fait une hausse de 1%. Non! Ce n'est pas une hausse de 1%, c'est une hausse de 1 point de pourcentage. Parce que le 1%, c'est différent. Donc, il y a des petites nuances comme ça sur lesquelles les gens vont jouer. Donc, en général, quand il y a des chiffres, des données dans un contenu, il faut vérifier. C'est le principe. C'est, il ne faut même pas vous fier à l'interprétation que la personne donne. Parce que bon, il y a des risques de manipulation, de mauvais usage. Par exemple, dans les sondages, on dit non, 50% de la population est pour la polygamie. Bah. Il faut faire attention. Première question, le sondage porte sur combien de personnes? Si vous interrogez 500 personnes pour une population de 25 millions d'habitants, bon, je crois qu'aujourd'hui on est autour de 30 millions d'habitants, ça pose problème. Ça pose problème, on va devoir s'interroger sur la représentativité de votre échantillonnage. Pourquoi est-ce que, parce qu'il est clair que vous ne pouvez pas interroger 30 millions de personnes, mais si vous choisissez 500, sur quelle base vous les choisissez, est-ce qu'ils sont représentatifs de la composition de la société? Voilà, pour arriver à dire que la moitié de la population est d'accord ou le suivre. Voilà. Donc, tout ce qui circule doit être jaugé à l'aune de notre esprit politique. Ok, j'ai une petite image avec laquelle je vais terminer. Je vais la retrouver rapidement et vous allez me dire si vous allez, je vois si vous avez compris et si je n'ai pas bavardé uniquement. Juste terminer avec ça. En attendant, si vous avez des questions, commencez à les préparer. Le temps que j'affiche l'image, puisque je conclue ma présentation. Ça, c'est une présentation que je dois faire la semaine prochaine. Mais je vous donne un élément de cette présentation. Ok. Donc, je vous laisse lire. Et puis, je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais prompt. Je pense que cette citation ne peut pas être de Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que
le général de Gaulle est décédé il y a bien longtemps. Oui. En son temps, il y a plein de même okay. S'il y en avait, c'est pas en tout cas de l'autre. Okay. Mais si quelqu'un laisse, on doit prendre ça. Oui, on peut prendre ça. Oui. Voilà, c'est une vérité. On oui. peut l'utiliser comme conseil. Oui. Mais la personne à qui cette phrase est attribuée, là, vraiment. Oui. Effectivement. Donc, c'est à ça qu'on est sujet sur Internet très souvent, le mélange du vrai et du faux. Donc, à nous de faire attention à notre discours ici. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis preneur. Sinon, je pense qu'on pourra continuer le cours. Voilà. C'est ça, merci. Donc, modérateur, j'ai fini. Hein. S'il y a des questions, je crois qu'il me reste encore 10 ou 15 minutes. C'était à 55, non? Oui, c'est ça. On va le faire à 50 minutes. J'ai encore 5 minutes. S'il y a des questions, oui, je vais vous.